Le salon de l'agriculture avec évidemment les agriculteurs, mais aussi de l'animation, de l'ambiance autour de tous ces stands des régions d'outre-mer. Avec moi, le président de Cabagnoc, M. Perry Priméron. Nous avons eu un tel plaisir de voir toutes ces personnes, tout ce qui est percussion, les danseuses, etc. Deux mots sur Cabagnoc. Oui, Cabagnoc, c'est une association intercommunale. Nous exerçons à Grigny, Viry-Châtillon, Saint-Veuve-des-Bois. Nous avons eu la chance d'avoir beaucoup de danseuses avec nous, beaucoup de membres qui nous suivent. Et là, c'est un échantillon. Et chaque jour du salon, nous sommes là avec de nouvelles danseuses, les gens de Cabagnoc qui font vivre Cabagnoc. Il y a un public énorme ici. Ça ne vous fait pas peur parce que c'est vrai que parfois, vous pouvez passer dans une salle avec 500 personnes, qu'il y a un public tellement différent des Antillais, des métropolitains qui vous regardent. Oui, mais nous avons l'habitude, c'est la deuxième année que le Salon de l'agriculture nous invite. Et c'est toujours pour nous un honneur que la région de représenter la Guadeloupe et tous nos îles qui nous tiennent à cœur. Deux mots sur l'histoire de Cabagnoc. Nous avons Cabagnoc à 26 ans. Ça a été un long travail. 26 ans. 26 ans, ça a été un long travail. Et aujourd'hui, nous sommes récompensés un peu de partout. Et on voit que le salon nous fait à nouveau confiance. La Chambre de l'agriculture nous fait à nouveau confiance. Et vous voyez toutes nos charmantes demoiselles qui sont là. Et chaque fois, elles me disent, bon, Henri, quand est-ce qu'on fait le salon? Quand est-ce qu'elle se prépare? Donc, c'est très bien. Nous avons aussi des enfants avec nous. C'est un réel plaisir de participer à une telle manifestation. Est-ce que c'est un réel plaisir? Oui! Voici la réponse. Mais elles s'entraînent, elles se sont entraînées pour venir ici? Elles s'entraînent tous les samedis, le samedi et le mercredi, donc c'est beaucoup de travail. Nous avons trois chorégraphes qui font un travail remarquable et le résultat est là. On ne peut pas pouvoir interroger tout le monde, mais deux mots, vous appelez? Sabrina. Alors ce salon de l'agriculture édition 2016, vous vivez un grand moment? Un grand moment et puis c'est parfait pour l'expérience et promouvoir ma région, c'est vraiment l'idéal. Également, ben, en tant que l'une des trois chorégraphes, je suis vraiment enchantée de faire partie de Cabagnoc et de pouvoir transmettre la culture, de la faire découvrir aux gens qui viennent d'ailleurs. Et voilà, très fière également. Et voilà. Également. Alors, nouvelle adhérente à Cabagnoc, donc je suis très heureuse de pouvoir participer pour la première fois dans l'agriculture. Je n'y suis jamais venue, donc pour moi, c'est un honneur d'y être conviée. Et Cabagnoc m'apporte énormément de choses, énormément de culture en Ile-de-France. Et j'ai trouvé une nouvelle famille à cette association. Important, très jeune. Oui, moi c'est Aïcha. Donc moi je suis chez Cabagnoc depuis l'année dernière. Donc je suis très contente d'être parmi Cabagnoc. Donc c'est une famille pour moi. Donc je remercie toutes. Oui, ben moi également, je suis très heureuse d'être là, de partager ma passion avec le public qui est au rendez-vous, qui est chaleureux, ça fait plaisir.
Et moi, c'est Christelle. J'aime la Guadeloupe, j'aime le croquant et j'aime la culture. Voilà. Gwenaëlle, pareil, nouvelle famille. Et on reste dans le culturel, surtout. Oui, Eddy, membre fondateur du groupe, à 26 ans que je suis là. Et donc, ça nous fait plaisir que la région nous invite. Ça fait notre deuxième année. Et donc, on est là avec la famille pour montrer à notre tous nos compatriotes qui vivons sur la métropole tout ce qu'on peut, que ce Camagnoc... Le véhicule. Voilà. Wizzy, donc ça fait plus d'une dizaine d'années que je fais partie de Camagnoc, donc c'est toujours un réel plaisir de participer pour la deuxième année. Donc aujourd'hui et toute la semaine, on sera encore là avec la région pour présenter en fait la culture avec les jolies jeunes filles que vous avez vues et puis apporter un échange avec les personnes qui viennent visiter ce salon. Je crois qu'elle n'a pas parlé. Guylaine, je fais partie de Camagnoc depuis déjà presque 8 ans. Et c'est toujours un plaisir de faire le salon de l'agriculture puisque ça permet aussi de faire son stock. Hein, parce qu'on découvre un petit peu ce qui nous manque du pays. Et d'ailleurs, on envoie bonjour à toutes nos familles aux Antilles, nos amis de Camagnoc, nos fans aussi qui doivent nous regarder et qui nous soutiennent beaucoup. Périmiron, il y a beaucoup de jeunes, c'est important ce renouvellement, vous l'avez voulu au niveau de l'association. Oui, nous l'avons voulu au niveau de l'association parce que c'est avec les jeunes qu'on va progresser et c'est pour ça qu'on a monté en place les groupes Minica qui nous permet après d'avoir une évolution de danseuses qui dansent. Mais dans Camagnoc, il n'y a pas que des jeunes, il y a tous les âges. Nous avons 30 ans, 45, 50 ans, vous voyez, on refuse personne et nous avons 5 ans, elle vient de me dire... et Elvire. Donc, tous les âges. Mais ce qui est important, c'est que, vous avez entendu, on parle beaucoup de famille dans Camagnoc. Parce que quand on rentre dans Camagnoc, c'est une famille. On demande beaucoup à tous nos adhérents. Elle va vous dire que quand on rentre dans Camagnoc, ce n'est pas pour rester inactif. Donc, l'association, c'est à Sainte-Geneviève-des-Bois. L'association est à Sainte-Geneviève-des-Bois, à Ville-Châtillon et Grigny. Nous travaillons sur 3 communes. Je me rappelle de Chanter Noël quand nous avions tourné chez vous. Ah oui. Quelle animation, quelle ambiance. Merci. Et j'espère que vous viendrez nous voir dans notre grand Les Roses qui aura lieu le 8 avril. Très bientôt. Absolument, nous y serons. Merci en tout cas, Camagnoc. Et c'est vrai que là, c'est ambiancer le salon de l'agriculture, ce n'est pas donné à tout le monde. Et on voit le public qui est avec vous, des gens qui viennent de très loin, de toutes les régions de France, qui découvrent aussi peut-être le folklore des Antilles. C'est vrai, on a eu des remarques. Vous venez des Antilles, où vous achetez vos costumes, comment vous faites vos costumes. Donc il y a beaucoup de questions. Donc on sait répondre. Et puis là, quand vous voyez ces charmantes demoiselles bien habillées, donc, on représente dignement la région. Alors que nous ne sommes pas aux Antilles. Mais nous sommes aux Antilles. Nous sommes pas aux Antilles. Alors, c'est vrai. On vient d'arriver sur le port de Versailles. Je suis avec la famille. Et on a fait un petit...